regard, comme tout sportif, déjà admiratif et puis supporter, parce que voilà, c'est, elles vont représenter le pays dans les prochains jours à venir sur l'Euro. Donc pour moi, c'est génial de pouvoir venir les voir à l'entraînement dans cet endroit privilégié aussi. Je vous souhaite plein de bonnes choses et encore une fois, profitez de cette carrière qui passe très très vite, parce que moi je suis jeune retraité des bassins et voilà, profitez de ces moments qui passent très vite et vivez-les à fond. Voilà. Allez, bonne chance. Enfin, c'est pas de la chance, là, c'est du travail. Et puis voilà. Merci. Pour moi, que ce soit du foot, de la natation ou un autre sport, l'équipe de France, c'est le respect du drapeau, le dévouement et puis voilà, le fait de se surpasser pour représenter son pays. Et après, le but, c'est d'être dans les meilleures prédispositions pour pouvoir s'exprimer au meilleur de ses capacités sur les compétitions. Qu'elle remporte la compétition ou qu'elle échoue sur le parcours, voilà, le but du jeu, c'est de jouer de mieux en mieux, de faire du mieux de ce qu'on peut pour au moins être fier de représenter la France. Quoi, voilà. Ça, vous vous apprêtez aussi à vivre des moments forts, des challenges aussi assez élevés. Donc, peu importe les sentiments qu'on peut ressentir à l'approche de ces challenges, prenez-les tous quoi, et soyez contentes de les vivre parce qu'il y a un moment où toutes ces choses-là, elles s'arrêtent. Elles sont remplacées par d'autres choses sympas aussi dans la vie, mais c'est vraiment un moment fort, quoi. Alors vraiment, profitez-en. Je vous souhaite bonne chance aussi pour la suite. Merci. Je vous souhaite la victoire et tout le succès que vous méritez. Je tiens à vous témoigner, au-delà de mes encouragements de première fan, la force que vous m'inspirez et l'authenticité de vos efforts à être les meilleurs. Merci. J'ai eu la chance de rencontrer, de croiser pendant 20 ans une personne, un petit bonhomme, mais une super personnalité qui s'appelait Alain Mini. Et quand on le croisait, il nous disait toujours, donc c'était un coureur, et il nous disait toujours, tu vois, moi je cours, j'ai couru pendant des années après un objectif, mais vous les jeunes là, ne courez pas après l'objectif, allez-y, allez chercher cet objectif, prenez-le parce que il n'y a pas de temps à perdre. Et le temps pour moi, c'était de courir justement après le temps. Et je trouvais que c'était très très beau. Et donc, voilà, j'allais dire, prenez plaisir. Et moi, j'ai l'habitude de dire que quand on prend plaisir, c'est quand on gagne. Donc, allez-y. Ouais, merci beaucoup. Merci, Louisa Lessive. Le football féminin a pris une très grande dimension. Et aujourd'hui, il est... Il se rapproche de plus en plus du football masculin, donc c'est intéressant. Beaucoup de technique, beaucoup de finesse, je trouve. Évidemment, il n'y a pas l'impact des hommes, mais je trouve que parfois ça le rend plus gracieux. Donc, non, je trouve ça très intéressant. Ouais, allez, l'équipe de France.